Jeu, il a des sous-titres en français. Donc j'espère que c'est bon. Attendez, on l'a pas fait. Oh non, ça va être bon. Ouais. Non, c'est bon, on va. Bah, c'est let's go, hein. Ok, chapitre 3, hein, les amis. Oh, c'est parti, les amis. Je pense que je risque de flipper un peu, comme hier soir. Mais on verra. On verra comment ça se passe. Et oui, vous me voyez sur la webcam. Vous avez vu? Et ouais. Je porte des lunettes si vous voulez les mêmes, si c'est clim optique. Je vais voir pour les changer, ils me font mal aux oreilles en fait quand, dès que je mets mon casque. Allez, let's go, c'est parti. Ok. Et ça commence bien. Ah ouais, d'accord. Ça commence bien. C'est un cinglé lui. Enfin, je sais pas si on va mettre le tueur ou pas, mais. Il est un peu cinglé ce mec. Il est vraiment un peu cinglé, à vrai dire. Challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country will be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, maybe this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Oh, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Vraiment désolé, la webcam s'est éteinte tout seul. Oui, il y a une petite cinématique, donc du coup je laisse parler. Ok, petit truc avant. On va regarder si on l'a pas en sous-titre. Ok, du coup, ça va dans quoi? Je sais pas s'il est vraiment en sous-titre en fait. Là. Français, voilà. Langage français, c'est mieux. Donc oui, ça va charger, mais
Je préfère le mettre en français, c'est plus facile. C'est pas grave. On recommence. Mais c'est pas grave, on va essayer de... Voilà, on va passer. J'ai mis en français, donc c'est pour ça. Mais on va juste passer la cinématique. Voilà. C'est bon. Ouais, mais par contre, j'ai pas les bonnes touches. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut les changer? Je veux bien, mais... S'accroupir... Allumer... Ouais, mais on n'a pas... Graphisme, non, ça ne m'intéresse pas au final. Appliquer au retour. Ouais, mais je fais comment pour avancer en fait, du coup, c'est quoi? C'est une fois que je joue à la manette. Je pense qu'on n'a pas le choix de jouer à la manette parce que, au final, je peux pas confirmer les touches et j'ai pas la touche pour avancer. Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai trouvé. On va se débrouiller comme ça. Hein. Ok. Donc. Je précise que je joue au clavier, mais en fait, les touches ils sont inversées, donc du coup. J'ai pas les mêmes touches que quand je joue normalement et je peux pas les modifier en fait. Ok, c'est bien fait déjà. Je précise que le jeu, c'est une démo, donc il est disponible sur Steam. Donc je sais pas s'il est disponible sur les autres plateformes. Mais il sort dans pas longtemps, donc... Ok, on peut prendre pas mal de choses. Ça me sert à rien, mais je regarde quand même, c'est cool. C'est bien pour savoir. On peut prendre pas mal de choses. Donc ça c'est cool au moins si on se fait... On sait jamais. Ah tac. Ok, on va fouiller un peu. Hein. Il y a un truc là sur la table. Exemplaire vendu. Ok. Ah bah je voulais le poser mais je me suis trompé. Malheureusement. Ok, on n'a pas de clé donc ça sert à rien au final. Mais c'est pareil, je pensais qu'il faut une clé. Ah non, c'est bon, on peut ouvrir. J'aime bien déjà le petit jeu en fait, au niveau des graphismes il est vraiment beau. Et j'aime bien en fait au niveau des portes, tu dois accompagner vraiment ta souris pour pouvoir les ouvrir. Ouais, hein. On est un peu dans une maison, on sait jamais. Ouais, j'y vais avec ça. Si on peut le voir, ça là. Ah, logique, on a tout ça en main. Ah, par contre, pour. Ok. C'est pas grave. Donc là, on peut pas. Là, on peut pas non plus. Là, on a un papier. Alors, maman. Ah oui. Adam, notre cher fils. Ok. Soit qu'on monte à l'étage, soit qu'on va là. On peut pas y aller. Ok, je comprends mieux. Il y avait une top derrière la porte. C'est grand quand même. Fermé, je suppose, pareil, logique. Ah, on peut les fouiller les tiroirs, c'est cool. On a des piles, ça peut servir. Et on peut pas les prendre, malheureusement. On va reposer tout ça. Dégage. Ok, on a pas mal de choses. On a des petites bouteilles et tout, ça peut peut-être servir aussi. Mais non, mais il revient pas. Ah, mais d'accord, je suis devant.
Ok, on a pas mal de choses. Ok. Oui, je suis un peu le bordel, non? Donc là, on avait dit c'était fermé. C'est fermé. Il y a vraiment pas mal de choses à visiter. Ok, celle-là, on peut le voir. Je regarde avant. Bizarre. Bizarre le bruit qu'on entend. J'aime pas ça. Ok, on a des ciseaux, on peut pas les prendre. What the fuck? Il y a un bruit d'eau, non? Je sais pas si vous entendez, en fait, il y a un bruit qu'on est là. Tout à l'heure, il n'y a pas de bruit. Dès qu'on a pris la canne. Je crois qu'il y a un qui est en colère dans les toilettes. Hein, on se casse, hein. Promis, je vais me coucher. Allez, bisous. C'est quoi ce bruit? Alors, c'est un ange triste. Ah, il y a un truc là. Pivoter. C'est quoi le petit point là? Je vois, il y a un... Ah non, bah non. Je crois qu'il y avait un truc dessus, mais non, il y a juste un point. On va juste... Non, bah si on peut juste le déposer en fait. Ah, malheureusement, j'ai pas vu. On peut aussi ouvrir la fenêtre? Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il faut ouvrir la fenêtre, oui. Ok, ou si on se fait poursuivre. Je voulais tenter. Malheureusement, c'est pas le cas. On a bien rien fouillé en fait, j'ai pas tout fait gaffe. Là, on a des choses derrière. Non? Bah, c'est marqué prendre. Attendez, on peut prendre les tableaux, le tapis. C'est lourd. C'est le but que vous allez me dire, mais. Ah, mais ça sert bien à quelque chose si on prend les tapis, on est bien d'accord. Ça va bien servir à un truc. Donc, ouais, il n'y a rien derrière, donc ça sert à rien. Ok, le carton. Y'a rien dedans? Mec, il fout vraiment le bordel en fait. C'est jamais, faut vraiment fouiller. Il peut y avoir un truc caché dans les boîtes. On rangera plus tard, hein, promis. Je sais pas pourquoi, fallait du comme ça, on va tomber sur un truc. Ok, on a rien là. Ça casse même pas le truc. Ça gêne. Voilà. Là, ça gêne encore. Voilà. Bon. Ah, on n'a pas fait la porte là-bas. Ça fait plus le bruit de tout à l'heure. Ah, y a une cigarette. Ouais. On n'a pas fouillé de là non plus. Je veux bien, mais bon, si on fouille pas. Ouais, je suis ce genre de personne qui fouille, mais en fait qui range à rien. Ok, mais ouais, il y a vraiment plein de choses à fouiller en fait. On va commencer en bas. Ah, ça veut pas? Oh! Ah non, c'est bon. Oh, des petites bouteilles. Ou des vases, je sais pas comment ils appellent ça. Ça casse même pas en fait, c'est pas drôle. Je pense, à un moment donné, je suis le joueur qui casse tout. Qui dérange tout. C'est la même photo. Je déplace. Pourquoi il s'est ouvert le tiroir? En fait, je suis la seule personne qui dérange tout dans la maison, qui déplace tout. Ok.
lequel on peut pas. Ok, le tiroir qui s'est ouvert tout seul justement. Y'a rien. Ah, y'a des trucs là-dedans. Mince. C'est quoi? Non, mais viens là, toi. C'est des souvenirs. Ah non. Un bouquin, ouais, je sais pas. Ça va être pareil. On va aller voir la porte là-bas. On a pas... Ah, bah, y'a un truc là. Facture, j'ai payé. C'est tellement grand que ouais, tu peux fouiller pas mal de choses. Ok. 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 On peut rien. Là. C'est une porte qui est fermée. Et c'est la seule porte qui est fermée aussi. Et là où c'est fermé. On n'a pas... Ah, attendez. Je viens de penser à un truc. Ah non, ça change rien, je pense pas. De pouvoir ramener la chaise là pour monter. Et je pense pas que c'est fermé à clé. Non, c'est pas fermé à clé. Pourquoi ça tombe sans bras? Moi je sais, je suis resté en dessous. Ouais, tu fais. Ah, mais c'est fermé à clé quand même. Ok. On va vraiment tout fouiller en bas et on va voir s'il n'y a pas une clé qui traîne quelque part. Là, on peut pas ouvrir, on est d'accord. Ici, on referme. Voilà, voilà, il y a un truc là, on n'a pas fait. Examiner. Réveil. De merci, je peux travailler. À 6h du matin, ok. Alors, on n'a pas fouillé aussi, c'est ça qui est un. Faut qu'on trouve une clé, de toute façon, on n'a pas le choix. What? Viens là, toi. Une bougie. Ouais, on l'assure parce qu'on sait jamais ça peut servir. Non, toi tu rentres et tu dis. Ok, et là on a quoi? Je peux pas l'ouvrir. On a un bouquin. On peut pas en faire. Ah, j'avoue, on peut sortir en fait. J'ai pas pensé à ça. Ah, mais c'est pareil, tu peux sortir, mais tu peux aller jusqu'où? Donc, ok, on peut sortir, on peut faire le tour de la maison. Mais de toute façon, dans la maison, il y a des trucs à faire. Ça, c'est sûr, avec les portes qu'il y a. Est-ce qu'on peut revenir à la voiture? Ok, on a fait. Ok, on a fait le tour. Dans la maison, il n'y a rien. Tout au moins. On va détruire aussi les voitures parce que on sait jamais. Je peux prendre les trucs derrière? Non. Ah, on peut voir le coffre. Ah, ok, comme par hasard. Mais les clés, je les trouve où en fait? Le coffre, je fais comment pour l'ouvrir? Je veux bien. Mais dans tous les cas, je fais comment pour l'ouvrir le coffre? On doit avoir une clé qui est pas dans la maison. Ouais. Faut que je cherche. Soit un tiroir que j'ai pas ouvert. Ok, on est d'accord. Ok, on est d'accord. Y a rien. Ah, mais tu l'as ouvert ta porte? Ah, y a un truc, non? Ok,
ça me paraît bien clair. Ouais, bah, les couverts de belles mamans, on s'en fout, hein. Hey. Grand-mère, comme tu veux, je m'en fous. Il me faut. Ah, on a un truc là. Ah, mais j'ai pas fouillé ici. Ok. Ok, mais ouais, par contre, la voiture, je fais comment pour voir le coffre? Parce que même la voiture, elle est fermée. Ok. Ça, on peut pas regarder, non? Donc on est d'accord, là tout ça. Ah là, bah, des petits endroits que j'ai pas été. Voilà. Je sais pas pourquoi pour l'instant on cherche, mais tout à l'heure je sens qu'on va se faire démonter. Quand tu veux pour jeter, hein. C'est pas comme si ça me gênait un peu. Ok, on a rien, on ferme. Alors, doucement les portes. J'ai cru avoir vu un truc. Au milieu, on l'a fait ou pas? Je sais plus. Ouais, c'était fait. J'ai tellement peur que tu sais plus lesquels tu fais. Ok, donc il y a rien non plus. On a rien à l'intérieur. On a rien non plus là. Ah, je vais te dire, moi je suis comme un. C'est cool, ça m'a un peu aidé. Bon, franchement, on est un peu coincé. Parce que, bah. Comment dire? On n'a pas de clé. Et. Coffre de la voiture, c'est pareil. Donc, on a tout fouillé. Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Pour ça, on est obligé de tout dégager. Y a rien. On se casse ici. Si c'est fermé. Si c'était fermé et on avait l'étage. Ah, on n'a pas fait la petite commode là. On sait jamais. Non, y'a rien. Ça aurait été trop beau d'avoir la clé là. Ici, on peut pas non plus. Pourquoi je peux monter? Genre, c'est ça qui me fait chier. Ah, attends, là-haut. Non? Bah non. Ça aurait été débile de pouvoir aller là-haut quand même. Celui-là, on l'a fait ou pas? Je m'en rappelle plus. Oui. Et là, on l'a fait aussi. Ça, par contre, on l'a pas fouillé ça. Est-ce qu'on peut fouiller la petite commode là ou pas? Non. Ah, on peut traîner les chaises, mais on peut pas. On peut pas faire grand chose en fait. Je suis coincé! Non, je me suis coincé! Ça, oui, on est tout fouillé. Ouais, on est tout fouillé. Ok, c'est fermé. Ici, c'était fait aussi la chambre. On avait rien trouvé la chambre. Et l'étage là, on peut pas monter. L'armoire là, on n'a pas fouillé, on peut pas la fouiller l'armoire. Ça a été trop beau pousser ça. Ouais, il y a un petit souci. Il y a un souci, c'est que bah voilà. Comment je peux faire pour monter? On n'a pas été voir. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la forêt? On peut vraiment aller partout en fait. Ok, je suis bien. Ah. Est-ce que par là on peut aller ou pas du tout? T'es vraiment à la découverte de tout, ça c'est cool, je sais jamais dans ce petit jeu, tu peux vraiment tout faire. Tu peux vraiment tout explorer. Ça c'est pas trop mal. Ok, on peut se balader encore dans la forêt. Dans la forêt, dans la cour de la maison. Le petit... On va aller voir par là. Le petit hic, j'ai envie de vous dire, c'est que on n'a pas la clé. On a la voiture, on a le coffre qui est fermé. Mais comment faire? C'était la question. On a une cabane dans les arbres. C'est quoi ça? C'est des choix. Attendez, c'est quoi ça? Ah non, c'est des rochers. Oui, j'ai cru des rochers et des choix. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Désolé, je vois plus rien. Je vois pas grand chose avec mes yeux. Non, je déconne. Non, franchement, j'en sais rien en fait.
Pourquoi je peux pas. Comment accéder au coffre en fait? Me dis pas que je suis coincé! Ça, c'est, je suis sûr de la nuit, ça sent. Non, je déconne. Mais. Ah, mais attends. Si je peux pousser ça. Oh, ça me donne. Je peux pas. Même les blanches, je peux pas. Non, il y a un petit truc, hein. Il y a un petit truc, je pense qu'on n'a pas fait. On peut fouiller ça. J'aimerais savoir quand même parce que. Ah ouais, j'ai pas fouillé les caisses à outils. Il y en avait une autre à le... Je crois que c'est l'étage, hein. Je suis pas sûr, on va aller voir. Yes, je viens de voir la caisse à outils, on pouvait les fouiller. Là. Je peux occuper un truc dedans, s'il te plaît. S'il te plaît, je te demande juste un truc. Ah, je peux pas... T'as sur de la tête. Je peux pas ouvrir la caisse. Par contre, c'est abusé, celle-là, je peux pas l'ouvrir comparé aux autres. Mais stop, claque pas la fenêtre non plus. Ok, on a quand même. Est-ce que ça, je peux l'ouvrir? Je pense pas. Il manque un truc. On n'a pas de clé pour aller au coffre de la voiture. Et il y a des portes qui s'est fermées. On a quelques portes, je crois 4-5 portes à peu près, voire un peu plus, fermées. Donc faut qu'on trouve une solution comment ouvrir ces portes. Parce que bah au final, même le grenier, on peut pas y aller. Donc est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'on n'a pas fait au fait? Ah mais il y a des cartons ici. Sérieux. On tourne en rond depuis tout à l'heure juste pour ça. Bravo, Superflo, bravo! T'es trop bête! Non, on l'a dit à la table à l'étage. Mais on l'a dit sur la table. Mais non, mais c'est une blague. On cherche depuis tout à l'heure la solution et au final, il faut aller faire ça. Trouver la clé dans la salle au rez-de-chaussée. Je peux plus rentrer par les cadeaux. Hey chérie, ils ont livré les colis, mais ils ont tout balancé. Trouver la clé dans le salon au rez-de-chaussée. Mais ah mais où ta clé en fait? Mais dis pas que depuis. Mais dis pas que depuis tout à l'heure on est passé quand même devant. Je veux bien, mais bon, si on est passé depuis tout à l'heure devant, on a l'air un peu bête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. J'ai trouvé les clés? C'est bien qu'ils donnent des petits indices comme ça, mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis trop bête de chercher. Fouillez la hauteur. Ok. Ok. Ah là. Nice. Ah la blague. La porte du grenier. Mais c'est une blague. La clé, les amis, on l'avait dans le coffre.
Appuyez sur tab pour voir l'inventaire. Clé. Et voilà. Mais c'est une blague, les amis. En fait, j'explique. On devait prendre les cartons pour les mettre à l'intérieur. En fait, on cherchait depuis dehors comment trouver les clés. Ça marchait pas. On cherchait tout à l'intérieur de la maison. On n'a pas trouvé. Et en fait, il fallait juste prendre les cartons à l'extérieur et ensuite les pouvoir les déplacer, les mettre une sur la table à l'étage. Et après, de fouiller la salle à manger dans le salon pour trouver la clé. Et après, ils ont dit d'aller à la voiture et trouver la clé qui est dans la voiture. Maintenant, on a la clé pour les greniers. C'est une blague. C'est normal ça. C'est pas cool. Faire pivoter pour retrouver le message caché. Je me demande à qui elle appartient, à ma grand-mère ou presque, ou mais à quelqu'un d'autre. À qui appartient, à ma grand-mère ou à quelqu'un d'autre. Bah vous savez quoi, ça appartient à la grand-mère, donc je suis tellement gentil, on va la reposer. Je peux ressortir quand même. Est-ce que je peux ressortir? J'ai droit? Oui c'est bon, j'ai droit à ressortir. Ouf, j'ai eu peur. Un ange qui me semble endormi. En fait, quand tu veux déposer des trucs, ça veut pas. D'accord, dans le grenier, genre, il y a... Ok. Ok. On a une échelle. Ok, on prend quand même pied biche en plus. Pas grand chose. Dans la poubelle, j'ai dit toujours dit. Arrêtez un peu. Merci. Oh, c'est pas possible. Attendez, pied biche, on avait dit. C'est bon, l'armement. Pivoter, table fermée. Mince. Est-ce que maintenant on peut voir les portes avec? What? Le sol il s'est levé. Il est levé le sol, mais comment on fait? Ah mais je veux bien, mais attends. Comment on fait? Tab. Mais comment tu veux le mettre là en fait? Je crois pas. On peut pas se déplacer. Si j'ai compris un truc. Oui j'ai un peu du mal. Voilà. Tab. En fait, il faut essayer de le mettre dans le bon sens. C'est pas facile en fait. Comment tu veux mettre? C'est compliqué. Je suis en train de me battre. Allez. C'est une blague. Mais moi j'arrive pas. Comment faire? C'est une blague. Mais moi j'arrive même pas à... Déjà ils ont pas moyen de le mettre déjà dans ma main. Ok, on a PBH, mais comment tu fais? Ah, là on est bien. Vas-y, je l'ai vu maintenant. Attends, je comprends pas. Ah, d'accord, le saut est clignote. Ah d'accord, c'est pour on veut plus vite. Mais n'importe quoi, mais c'est une blague.
C'est pas facile de l'ouvrir, attends, comment tu fais? Allez! Mais c'est une blague! Attendez. Oh, vas-y! C'est bien ce petit jeu, moi j'aime bien en fait. C'est bien réaliste, on va dire. Alors. Faites pivoter, ok. Jules César. Ah! On a un genre d'ethnie. Oh, je suis pas très fan de tout ça. Alors, Jules César. Désolé, j'étais pas dans le micro. Donc, JM. MF. Donc, F. Je pense qu'il faut mettre ça dans l'ordre. Ouh, loulou, loulou. Jules César. Mais est-ce que ça a rapport avec le texte qu'on vient prendre? Je pense que oui. Ah oui, d'accord, ça on peut tourner aussi. JM, on va voir. Je pense pas que ça soit comme ça, mais bon. Ah d'accord, je peux pas tourner là. Donc là. Ah oui, d'accord, prendre. Ouais, mais je regarde quand même, on sait jamais. Je pense pas que ça marche là, en fait, déjà, demain. Non, ça changera. Ah, ok, il y a le code. Donc, J. Est-ce qu'on l'a? Il n'y a pas. Non, F, mince. Non, non. Ah, on peut pas revenir dans l'autre sens. Merde. F, non. F, on avait dit, c'est ça. F. Ah, mais on est, on doit pas le voir le. Ah, si, on l'a le J. F, M, je crois que c'était. Ah, non, il y a un truc en plus. On n'a pas le M. Non, je pense pas que ça doit être ça. Je pense pas du tout. Ok, on va revenir sur le truc, mince. On va revenir sur le truc. Note. Ok, on a le F. Donc. G. J, C, M, F. Ouais, je vois bien, mais. Et ça, c'est genre. Un qui est à gauche et un. C'est écrit en tout petit là-dessus, en fait. J'aime pas trop. Je crois savoir un peu, mais je suis pas tellement sûr. Comment on fait pour revenir sur le truc, ça? Non, je suis pas tellement sûr. On va tenter quand même. Ah mince, j'ai perdu le truc. J. C'est César. J'ai perdu le C. Je peux être mensier, mais bon. Un dispositif de décodage. On est pas bien en face? Ah si, c'est ça pourtant, non? Ah mais le plus en face pour voir. Non, c'est pas ça au même. Ok. Donc. Ah oui, non, j'allais dire, je crois que ça l'avait fait, mais non, c'est moi qui l'a placé en fait. Ok, je veux bien, mais. Il faut ça.
Est-ce qu'on sait là? Ah, ça donne dans l'heure, je pense. Après, c'est rien à dire. Parce que le JM ça marche pas sur le truc qu'on a fait juste avant. Donc, rappelez-vous, sur le truc, on avait le F. Le premier, c'est sûr, c'est F. Yes. Une clé en supplémentaire. Une clé indique, mais. Qu'est-ce que... Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir avec. Quelle question? Telle est la question plutôt. Telle est la question, c'est que quelle pièce on va pouvoir ouvrir. Est-ce qu'on redescend? Est-ce que. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on redescend. Mais quelle porte qu'on va pouvoir ouvrir? On va voir là. Ok. Clé de Nicolas. Non, c'est pas ça là. Okay. On va tout faire les portes, on va voir. Je pense pas, c'était à l'étage aussi, on n'a pas. Non, ça doit être vraiment à l'étage. Ouais, ça doit. À l'étage, je pense. On va revenir. On va revenir sur le pas, on sait jamais. Ah, mais on a une porte là. Ok, c'est pas là. Ok, mais tu. Je veux bien. Pour moi, ça ressemble un peu au niveau des souris, mais comment. Mince, je peux se tomber. Et là, je peux pas l'ouvrir. On est d'accord. On a la clé. La clé Saint-Nicolas, c'est ça? Je crois que ça s'appelle. Clé de Nicolas. J'ai dit Saint-Nicolas, je sais pas pourquoi, mais clé de Nicolas. À l'étage, on a rien en plus. Ah, mais. On a une hache en plus. Vous, est-ce que ça peut servir? Non, je pense pas, sinon on peut pas l'utiliser. D'accord. Ici, je suppose qu'on va pas l'ouvrir. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Faut mieux vérifier. Faut mieux regarder si on peut pas ouvrir la porte là. Mais je pense pas que ça soit celle-là, vu qu'elle est coincée. Ok, est-ce qu'on n'a pas des trucs à fouiller non plus? Ah. Ouais, attends, il y avait un truc à prendre, non? Ah, mais on peut lire. Ok, je veux bien, mais là. Là, je vois pas du tout c'est laquelle. Ok. Ah, mais il reste un truc. D'accord. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Le chapitre 2. Nous sommes le 27 septembre. Dans l'an 1864. Bon, on revient là. J'ai pas. Le message caché. Oh, on a du sang dessus. Je peux pas arrêter. Il veut pas. Ah, c'est bon.
Mais là, on peut tous examiner en fait. Ah, c'est des trucs qu'on a trouvé tout à l'heure. Ok, on est d'accord, on n'a plus rien. Faire pivoter. On peut allumer. Ah, je peux pas allumer. On peut prendre ça là, dis-moi oui. Ah, attendez, on a des trucs là. Ah, de Nicolas, ok. Non, non. On peut pas les prendre avec nous, c'est ça le dommage. Donc on peut les allumer en fait. Et vous avez vu, juste avec mon doigt, je peux allumer des bougies. Vous êtes jaloux? Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire, hein? Pas être jaloux de la vie. Oh, t'es sûr, charmé? Non, non, pas les essais de grand-mère. Trop tard. Mais moi, la maison à l'épreuve, faut que je foute le bordel en fait. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas, ça, ce genre de choses. Allumer les lumières depuis dès lors. Mon père. Avril, je crois. Le 4 avril. C'est le 4 avril. Oh, je suis trop fort. Oh, je suis trop fort. Une carte? Mais il veut pas la prendre, la carte. Eh, hey, prends la carte, on t'a demandé. Non mais on t'a dit de prendre la carte, pas la jeter. Ouh, c'est ça du jeu. Spécie pis au bout de tout, c'est machi. Par contre tu restes de te brûler les doigts. Hein. Attention, il s'est mis au bout de la main. Des animés. Hein. Oh yes. Mon grand-père utilisait... C'est une lanterne, ça, je crois, non? Oh yes! Et la lumière fut! Ok, par contre, je suis pas très en sécurité, tout ça. On est revenu. Non, je vais garder la lampe. Non, 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 je vais garder la lampe. J'ai pas très confiance en fait. C'est que. Ah! Ah! C'est qu'on est revenu dans la maison où on était tout à l'heure. Avec une seule main. Et alors, vous êtes jaloux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je sais, ça sent s'enflammer. Hein. Bon, maintenant, faut qu'on cherche tout. Tout. J'ai pas confiance. J'ai pas envie de monter à l'étage. Et à tous les coups. On va monter dans le grenier. Et tout va se jouer dans le grenier. Attendez, on a tout dans l'inventaire. On a plus la clé tout à l'heure. Ah par contre, ma lanterne, ne faut pas chaguer en trop longtemps. Je viens de voir qu'on avait le truc... C'est un chèque. J'ai pas confiance en tout ça, je sais pas à quel point. On a un truc en plus pour la lanterne, je pense. Oh non, 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 je vous mets même pas la fenêtre. Il est fini, c'est mort. Que dalle. Que dalle. Pour l'instant, c'est trop calme. On est parti sur un bon petit truc qui fait pas trop peur. Je peux pas la voir la photo. Oh, elle tient tout seul. Oui, je suis de la magie. Me demandez pas pourquoi. Oui, bah. Bah. Ça va plus vite. Un parapluie.
Il y en a que d'elle. Purée. Y'a quelqu'un? What? Arrête, c'est pas plus cool! Oui, c'est pas forcé ce que je veux dire. C'est pas drôle. Oui, pas. Pourquoi tu veux choisir quoi avec un balai de sorcière en fait? J'ai pas très confiance. Je sais pas quoi. Je sens qu'on va se taper un truc. Il y a un truc qui va nous tomber sur la tronche. Ça, vous savez pas à quel point. Je commence à avoir des frissons. T'es gueule. Non. Garde ta lanterne, vite. Non, arrête, tu es en train de jouer avec les animés de couillon. Putain, faut aller à l'étage. Faut que je garde mes allumettes parce que j'en ai plus. Hein. S'il vous plaît, j'espère qu'il y a personne. S'il vous plaît. Oh, j'en ai des frissons, les amis. Je sais pas, je sens qu'on va se taper un truc. Collection. Arrêtez, j'ai une statue dans la main. Non! Mais putain, mais je me trompe dans les touches. Oui? C'est pas le même grenier que tout à l'heure, j'avoue. Pourquoi il y a une planche au carreau? Oh, j'en ai des frissons, les amis. Pourquoi ils veulent que j'ouvre les fenêtres? J'ai pas envie. Oh, je déteste. Pourquoi je me suis lancé dans des jeux d'horreur aussi? Holy shit. Fais chier. Je suis juste venu visiter la maison, hein. Rien d'autre, promis. Il paraît dans des jeux d'horreur, faut jamais se retourner. J'ai pas envie de me retourner au final. Bon bah j'ai pas le choix. Oh, j'en ai des frissons, mais arrêtez, c'est pas drôle. J'en ai des frissons. Je sais pas pourquoi on va regarder un truc et on va voir un enfant qui va derrière. Moi et mon père. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Mais. C'est une série ça? Ah non, c'est la maison. C'est une maison. C'était une série de beaux, mais non. J'ai pas confiance. Ah, il y a des vêtements tout à l'heure, on avait pas ça. Un, deux, trois, soleil. Il y a personne. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais l'antenne a commencé à s'étendre et j'aime pas trop. Y'a pas de bougie en fait allumée là? Ah si là. Oh, j'aime pas assez le bruit. Hi. Dégage la chaise. Tu fais chier. Encore quelques allumés, c'est bien, on en a 13 là. Ah, super. On met des bougies. Ah bah. Pourquoi j'ai décidé de faire des jeux d'horreur? J'aime pas, c'est la musique en fait. Ah, mais c'est. Je sais pas comment on fait pour le remettre ça, mais. Dommage, il y a ça en plus. Non mais c'est une blague. Oui, en même temps c'est un peu normal, tu peux pas fermer le tiroir comme ça.
Ok, là on a tout fouillé, fouillé. On peut pas aller plus loin. Est-ce qu'on peut sortir? J'ai pas envie d'aller à l'étage. Juste pour information, si Damien tu regardes cette vidéo, s'il m'arrive quelque chose, je te laisse ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube aussi. Oh 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 oh. Bisous. Et quelqu'un? Comme par hasard, c'est le vent qui a ouvert la fenêtre. Hein. Ah ouais, t'as cru que j'avais peur le vent. Je vais me faire dégringuer, je sais pas beaucoup, je le sens. Hey, what are you doing here? This is private property. Vérifier les zones autour de la maison. J'ai peur. Non. On me dit de paix. Monsieur. J'en ai des frissons, vous savez pas à quel point les amis. Non 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 mais j'en ai vraiment la chair de poule. Je sais pas si vous voyez. Je pense pas. Oui voilà, j'ai des frissons. J'ai les poils qui se rissent sur mon bras. Qui se lit sur mon bras, genre. Les films. Les jeux d'horreur, ce genre de choses, même les films d'horreur, je peux pas. Tu veux comment aller dans le cabanon? Je comprends pas un peu. On a une pince. La cabane dans la forêt. Non, c'est la cabane au fond du jardin. Par contre, on va s'amuser de dégager tout ça. Pousse, j'ai plus de lumière. Hein. Vas-y, façon cher ami, j'ai pas peur de toi. Non, je déconne. Non. Je déconne, non, je déconne. Ah merde, j'ai pas du ennemi. Je sais pas, j'ai peur. Faites pour éviter pour trouver le message. Un crime terrible. Pourquoi la musique est ça? Oh non, 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 non. Moi, je veux pas la cave. Ce truc que je veux pas, c'est la cave. Comment on fait pour équiper ça, par contre? Utiliser. Déjà qu'on entend le boire. Ok. Non, 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 j'y ai pas dû passer. Information, je sers. Hein. Aïe, cette cave. En fait, elle est où la cave en fait? Bah, dans la maison, je suppose. Là-bas, il y a un bâtiment. Oh, j'en ai la chair de poule! Je sais pas, c'est là. Le mec, il entend quoi? Comment ça clé dans la forêt? De toute façon, j'ai pas peur, c'est pas vrai. J'ai pas peur.
C'est pas ça la cave. Mais non, ils disent la cave, donc c'est pas ça. Je voulais voir comment on sait jamais. J'ai pas peur, hein. La cave ou ça? Attends, on a pas regardé ça. Est-ce qu'on peut regarder? Mais c'est pareil, ils demandent d'aller dans la cave, mais elle est où? Eh, salut! On se revoit plus tard, mon pote. Non, 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 mais je rentre pas. Vas-y, de toute façon, j'ai pas peur. Qu'est-ce que t'as un problème? En fait, oui, j'ai peur parce qu'il bouge plus. Non, mais c'est une blague. Mais non, putain. Mais non, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Mais c'est pas drôle. Mais t'es moche, qu'est-ce que tu fais en pyjama, frère? Et ton maquillage? J'ai même pas envie. J'ai même pas envie d'avancer. Bon, allez, je suis un bonhomme. Eh, je veux un maximum de pouces bleus sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, les amis. Pour un soutien, hein? Ok? Un pouce bleu, on va dire, c'est égal. Je pense que je me rajette un caisson avec ça parce que je pense que je vais me faire dessus. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je l'avais pas dit. C'était pas drôle. Et en plus, t'as éteint la lumière. Et maintenant? Pourquoi j'ai décidé de faire des jeux d'horreur? J'en ai marre, et en plus on voit rien là-dedans. Je me déteste. Je me déteste, franchement, je me déteste. En fait, elle est où la cave? Chut, chut, bouge pas, arrête. J'ai peur du. J'ai eu peur d'une porte. Ah mais je suis vraiment le roi des abrutis, les amis. J'ai eu peur d'une porte. Attends, la mission c'est bien aller dans la cave. On a pu. Comment on peut voir l'émission en fait? On peut pas? Attendez, je veux bien aller à la cave. Mais comment? Comment dire? Je suis pas en sécurité du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout en sécurité. On peut plus ressortir, ok. Ça doit être là-bas, je pense. Cette balée. C'est pas drôle, mais arrête. Oui. Je crois que je vais pas pouvoir finir le jeu, j'ai envie de vous dire. Vas-y, de toute façon, je suis armé. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Vas-y, viens. Eh ben non, viens pas, t'as raison. Bon, bah, je voulais pas jeter, mais de base, mais c'est jeté tout seul. Même Resident Evil à côté, il fait moins peur. Quoique, non, je déconne. Il fait quand même peur, Resident Evil, mais bon. Et je vous jure, j'en fais pas exprès, j'ai vraiment peur les jeux d'horreur et ce genre de choses, jeux d'horreur, films d'horreur, j'aime pas. Et là, vu que c'est le concept de faire, parce que c'est Halloween, de faire des jeux d'horreur,
Mais je déteste. Je vous jure, c'est ma phobie. J'ai peur. C'est pas une phobie. Oui, c'est. On peut dire c'est une phobie. Je sais pas comment décrire, mais j'ai peur ce genre de conneries en fait. Pour vous, c'était de banane, mais moi non. Banane. Quand je dis banane, c'était sympa pour vous. C'était de rire, c'est sûr. J'arrive pas à ouvrir. Une cuillère? Je suis en face de la cuillère. Ah, vas-y, vas-y. Attends, j'ai pas peur, vas-y. Non, 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 non. Attends, attends, attends 2 minutes, s'il te plaît. On va utiliser ça. Oui. C'est bon, c'était utilisé. Ah, ah, il y a du son. Mais non, j'en ai marre. Ah. Je referme les portes derrière moi. Promis. Eh, je pourrais pas faire une. Me trouver dans un bâtiment comme ça, tout seul, même une visite, je pourrais pas. Non! Je me trompe dans les touches, ça me saoule à chaque fois. Ok, là on peut pas ouvrir. Là on peut voir la porte à l'extérieur. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est vraiment une bonne chose aller à l'endroit où il y a du sang? Je ne crois pas. Hein? Ok, sur ce, salut! Non, c'était pas drôle. Ah putain, mais à chaque fois je me trompe dans les touches. C'est ouf. Allez, là, la cave. Non, 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 non. C'est bon, j'ouvre la porte. Comment il peut fermer la porte si la porte elle est fermée? Je peux pas. Franchement, je peux pas. Je peux pas. Ok, les amis. Pourquoi je suis descendu? Non. Suivez les traces de sang. Il y a personne. Une échelle, ok. On a des trucs en plus. Lire. 14, 40 chambres, tout quoi faire, un refuge. Ok. Ça sert bien à quelque chose de l'échelle, on est bien d'accord. Si on peut pas monter, ça sert. Hein. Vas-y, tu veux te prendre un fer dans la tronche, hein? Ouais. S'il te plaît, dis pas qu'il y a pas un truc qui va me spawn dans la gueule. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Qu'il n'y a pas un truc qui se spawn dans la tronche. Ah, attends, attends, non, encore pas. Non, je me suis trompé encore dans les touches, fais chier. S'il te plaît. Y a quelqu'un? Ah.
Attendez, je suis pas très de sécurité. J'en ai plus un, hein. C'est le dernier que j'ai mis. S'il te plaît. C'est bien ça, c'est tendu que c'est. Ça peut servir. Des petites cisailles. Sortez de la cave. Non mais c'est une blague. J'aime pas ça. Ah oh putain mais... Putain mais... Eh, franchement je crois que j'ai pas pouvoir faire tout. Je vais finir par une crise cardiaque. Hein. Franchement, je vais pas finir. Hein. J'ai pas pouvoir. C'est pas possible. Je suis comment? J'en vais vous dire les amis, on va aller jusqu'au prochain chapitre, je vais pas pouvoir aller plus loin. Je fais déjà un maximum d'efforts pour faire ça. Cucu, tu vas bien? T'es mignon, tu sais. Moi, je peux pas. Je suis vraiment pas mal de faire, mais je crois que je vais pas pouvoir finir. C'est où ces putains de traces de sang, je crois pas. Et ça s'arrête là, là. Là. Non, non. Holy shit. Coucou. T'es si t'es moche? À suivre. Ok. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. Franchement, ce jeu est complètement flippant, j'ai vraiment flippé, oui, j'aime pas les jeux d'horreur, j'ai, c'est la première fois que j'ai vaincu un peu, entre guillemets, ma peur, même si, oui, j'ai eu peur pendant toute la vidéo, c'est un truc pour moi qui est très compliqué, je suis pas du tout film d'horreur, jeu d'horreur, ce genre de truc, je déteste, encore, regarder d'autres personnes, ça me fait rien, mais
le vivre moi-même, ouais, ça fait peur. Et surtout que je kiffe Resident Evil, donc c'est pas pareil, mais là, ce jeu est vraiment magnifique, j'aime bien. T'es plongé à l'intérieur, mais il fait vraiment flipper. Donc oui, c'est une démo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus. Oui, je veux un maximum de pouces bleus sur ma chaîne Twitch, parce que ça peut me soutenir. Comme je vous disais, parce que oui, ça fait peur pour moi les jeux d'horreur, je suis pas très fan. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne Twitch, SuperInfo TV, si vous voulez voir d'autres vidéos ou d'autres lives par exemple. Mais peut-être pas de jeux d'horreur un peu moins qui fassent peur. Mais voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous laisser un maximum de pouces bleus. Moi je vous dis à très vite et salut tout le monde.